Salut à tous, c'est Unwin et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui les gars, on se retrouve pour la présentation de la toute nouvelle moto que je vais vous montrer maintenant, simplement le prix du véhicule. Alors pour ceux qui se demandent pourquoi je la présente seulement maintenant, parce que bon, vous savez, j'étais à la Paris Games Week. D'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui sont venues me voir à la Paris Games Week. Voilà, je vous remercie les gars, c'était vraiment lourd, il y avait vraiment beaucoup beaucoup de monde. Malheureusement, on n'a pas pu faire des dédicaces avec tout le monde. Vous allez voir la vidéo, de toute façon, elle sortira mercredi, si mes souvenirs sont bons. Mercredi, je vais essayer de vous faire ça, parce que bon, faut voir avec le monteur. Si le monteur est chaud pour mercredi, les gars, faut le chauffer. En tout cas, je vais vous montrer, les gars, la nouvelle moto. Donc, elle est dans Legendary Motorsport. Donc, c'est... Tu vois, Legendary Motorsport, déjà, c'est vraiment les véhicules haut de gamme. Et donc, elle s'appelle Western Rampant. Alors, je sais pas si c'est Rampant ou Rappant ou... Rampant. Rocket. Voilà, en gros Rocket. Alors je sais pas pourquoi ils disent Rocket. Est-ce que le véhicule a des roquettes? Je sais pas. Voilà, en tout cas le prix du véhicule, 925 000. Donc je pense qu'avec les customisations, on en a pour quand même plus d'un million, je pense. Un million, je suis dans les un million, à plus d'un million quatre. On verra. N'hésitez pas à noter, bien évidemment, bah, tout simplement la customisation du véhicule, comme d'habitude à la fin de la vidéo. Et c'est parti. Alors déjà, c'est assez bizarre, le fait de s'asseoir comme ça. Est-ce qu'il fait des roues, le véhicule? Le véhicule ne fait pas de roues, les gars. Oh, la tenue de route, elle est vraiment très chelou. Il tourne pas, le véhicule. Attendez, je vais essayer de tourner à gauche. Ouah, c'est trop bizarre. Alors j'aimerais bien faire un parcours, hein. Je vais faire, je pense, cette semaine un parcours avec la moto là. Mais honnêtement, en fait, quand il tourne, vous voyez le devant comment ça fait? Regardez, regardez le devant. Vous voyez, regardez, je vais vous montrer le devant. Regardez la roue, elle fait des trucs bizarres. En fait, comme si, je sais pas, c'est très chelou. Wow. Non mais quand je tourne là, vous savez, j'ai du stick à fond. Alors que bon, c'est pas comme une moto normale ou une voiture. Ok, bon déjà le véhicule ne fait pas de roue. Et en soi vraiment, c'est vraiment, enfin, il est magnifique. Alors je sais pas si on en a, il préfère le véhicule Tron ou celui-là. Mais attention, parce que je crois qu'on a la plus belle moto de GTA là, hein. Même si bon, la Tron c'est assez futuriste et tout, j'aime bien. Honnêtement là, on a un véhicule qui en vaut le coup. Alors, réparer le véhicule, blindage, on met à fond, donc on est déjà à 47 000, frein, 33 000, moteur, ah, alors moteur on a, ouais, donc le premier c'est comme ça, triple ouverture, c'est trop basique en fait, je sais pas du tout comment je vais le mettre, honnêtement, je vais rater comment ils l'ont mis eux. Ils l'ont mis avec eux, ils l'ont mis Rockstar, ils l'ont mis comme ça. Après, en fait, ce qui est bien avec ça, c'est qu'en fait, quand vous roulez, vous voyez, regardez, voilà, c'est ça le truc. Là, quand j'appuie sur R2, en fait, les ouvertures s'ouvrent. Ok, on va mettre ça du coup. Moteur niveau 4, ok. Explosif, non. Klaxon, on s'en fout. Éclairage, phare xénon, bien évidemment. Oh, regardez les phares, ils sont où? Ah, c'est stylé. Ils sont juste là. Par contre, j'aurais voulu la roue. Eh, regardez. Ok. Bon, bah, Rockstar, va falloir revoir vos véhicules là. Parce que j'ai la roue. Enfin, mon pied dans la roue. Donc, je crains. Alors, ensuite, motif. Ah, on va voir ce qu'ils nous proposent comme motif. Alors on a réel, enfin média moderne. Ouf, il est pas mal celui-là. À l'attaque. Ouais, ouais, il y en a des vraiment beaux. Ok. Ok. Wow. Cigarette Estancia, pas mal. Ensuite on a grotte, grosse saucisse, pardon. Grosse saucisse, ouais, en fait c'est une saucisse quoi. Cerise sur le gâteau. Et on a... Ah ouais, qui est pas mal aussi. Hein. On a
Heureux les simples d'esprit. Alors on va re-regarder. Alors médias sombres, c'est ça. Ça, bon, on l'avait déjà dans d'autres véhicules. Ça, j'aime bien la police d'écriture. Ouais, ça rend vraiment beau. C'est assez discret, c'est assez simple. Celui-là, il est pas trop beau. La saucisse, c'est vite fait. Sur le gâteau, j'aime bien mettre trop de motifs, en fait. Tout le motif. J'hésite vraiment entre celui-là, heureux, et celui-là. Parce que celui-là est assez discret. Mais on a aussi celui-là qui est magnifique. Mais bon, je pense que je vais partir sur celui-là. Voilà. Ensuite, plaque. On va mettre la jaune, du coup. Peinture. Alors, est-ce qu'on part sur du métallisé? On va partir sur du métallisé. J'aimerais bien mettre. Voir le véhicule, je vois bien en orange. Un petit orange vif comme ça. Jaune racing, ça fait bien aussi. Jaune racing, jaune pâle. Et orange. Je sais pas. Je vais partir sur un jaune racing, je pense. Les couleurs secondaires, ça change la couleur en bas. Alors peut-être que là, on peut mettre du rouge. Je pense, non. On va voir. Est-ce que ça fait bien si on met du rouge? Du coup, faut retrouver le rouge. Non, on va laisser en jaune. On va laisser en jaune. Voilà, on met du jaune racine. Ensuite, vendre ballon. Transmission de compétition. On met le turbo. Roue. Pneu à l'épreuve des balles. Fumée de pneu. On va mettre du jaune. Et il me semble qu'on a fini. Je crois qu'on a fini. Voilà, je vous montre un peu le véhicule comment il est. Donc voilà comment je l'ai custom. N'hésitez pas à mettre votre note. Quand j'accélère, ça fait ça. Très 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 beau véhicule. Je vais sortir. Honnêtement, le véhicule est magnifique. Il n'y a strictement rien à dire à la beauté de ce véhicule qui est trop beau. Maintenant, on va tester un peu comment il donne dehors. Comment est-ce que le véhicule tient bien la route? Est-ce que le véhicule. On va se mettre comme ça, on va prendre la miniature en même temps. Juste comme ça, les gars. Ça, c'est beau. Ok. Donc, ça, c'est fait. Alors, par contre. Oh. Est-ce qu'on peut drift? Ah, attendez, je sais drift ici. Ok, déjà, la moto peut drift. Bon, je vais me dire comme les motos. Mais c'est très bizarre, regardez. Quand je drift, mon pied est dans le. En fait, il faut que j'appuie R2. Alors attendez. Du coup, attends. Mais pourquoi, en fait, quand j'accélère, il met le pied et il l'enlève quand. Genre, je freine. Non, il le garde toujours. En fait, c'est quand je suis à l'arrêt. Ok, donc du coup, pour le véhicule, on a eu pour 925 000. Au niveau de la tenue de route, c'est vraiment beau. C'est vraiment pas mal. Ça va, franchement, au niveau de. C'est un peu compliqué, donc je sais pas si en parcours ça va être chaud. J'aimerais bien tester un parcours avec la moto là, honnêtement. Parce que. Il tourne assez chelouement. Ouais, je sais, j'invente des mots. Regardez, attendez. Quand je tourne, en fait. Je sais pas comment vous expliquer. En fait, faut vraiment avoir le véhicule dans la main. Je vais vous faire écouter quand même le bruit du moteur. Ah bien entendu, mais je crois qu'il a un bruit assez sombre. Écoutez. Voilà, un petit bruit aigu comme ça. Par contre, est-ce que le véhicule il monte bien les trucs ou pas? Ouais, il a pas l'air. Hein. Je me dis juste qu'on a. Ah ouais, non, il a pas l'air. Un petit trottoir comme ça. Oh shit, ça va être une galère en parcours ça. Regardez, il monte même pas le trottoir là. Le mal. Bon, par contre, en marche arrière, c'est vraiment. Voilà, c'est une moto quoi. Bon,
Par contre, ça, je pense qu'il ne le montrera pas. Ah, si, 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 faut forcer. Faut forcer, vraiment, faut forcer. Par contre, on va juste tester un truc. Je voulais juste tester. Je vais prendre un virage à fond. Waouh, j'ai oublié de freiner, j'ai oublié de freiner. Je vais essayer de prendre le virage à droite, juste à droite. Attention. Ah ouais, non, en fait, faut anticiper, quoi. Bon, par contre, c'est vrai qu'au niveau de la tenue de route, c'est pas la joie, quoi. En fait, quand il tourne très bizarre, et donc, du coup, ça fait que le véhicule... Et je trouve qu'il est assez lourd, aussi. En tout cas, je sais pas s'il y en a qui ont déjà testé le véhicule, mais je le trouve vraiment assez lourd. Ok. On va tourner. Genre, faut vraiment bien freiner. Hein. Parce que regardez, vous avez vu comment il a pris le virage? Waouh! Oh, il s'est passé quoi ici? Non, en vérité, je sais pas si vous avez vu, mais quand je prends un virage... voilà, vous avez vu, il va pas sur la route directement. Il prend vraiment les virages assez... Il les prend pas sec, quoi. On va dire le véhicule, il se croit chez lui, quoi. Limite, c'est... En tout cas, voilà. C'était la présentation de la toute nouvelle moto. On va voir s'il monte les trottoirs. Ouais, il monte les trottoirs, ça. Il monte les escaliers. Wow. Il tue des gens aussi. J'écrase quelqu'un. Wow, par contre, c'est vrai que c'est chaud d'écraser quelqu'un avec. Là, je vais essayer d'écraser quelqu'un avec une. Avec mon... juste ma route devant. PNJ, venez, venez, venez. Attends. Ok, lui il est à moi. Lui, je l'ai humilié. Bon! Voilà, je vais arrêter de m'amuser avec ce véhicule qui est très très beau. Honnêtement, c'est le plus beau de GTA V pour ma part. Je sais pas vous. Mais honnêtement, c'est la plus belle moto de GTA V. Même si la Tron rivalise, c'est vrai que la Tron rivalise. Mais bon. Là, on est vraiment sur une moto assez basique. Voilà, voilà. En tout cas, on s'aide ça dessus. C'est tout pour cette vidéo. Et moi, je vous dis au bye, au bye, au bye, au bye, au bye.